Les activités qui sont exercées par l'atelier de forêt sont des activités qui sont extrêmement importantes pour la SNCB dans son ensemble, mais aussi pour la SNCB Technics en particulier. Eerst de dekking hebben van het commercieel transportplan. Een tweede deel van de missie is dat we in absolute veiligheid aan 330 per uur kunnen rijden. De betrouwbaarheid van de HST-stellen is zeer belangrijk. De beschikbaarheid van de HST-stellen wordt zeer streng bewaakt. Het comfort van de reiziger is uiteraard belangrijk. En de reiziger wil ook op tijd vertrekken. Dus het ter beschikking stellen van het stellen is voor ons ook een belangrijke taak. De voornaamste karakteristieken van de werkplaats HST is dat we werken in commerciële activiteit. Dus we zijn in concurrentie met andere partners. We hebben het geluk over professioneel kader te kunnen beschikken. Onze dépanneurs hebben een internationale reputatie. Alors concrètement, ça veut dire que l'atelier de forêt assure la maintenance des rames Thalys qui appartiennent à la SNCB, mais assure également la maintenance des rames qui appartiennent et à la SNCF et aux Hollandais et à la Deutsche Bundesbahn, donc au chemin de fer allemand, qui sont partenaires dans le projet Thalys. Alors au-delà de ça, ce qu'il est important de dire, c'est que pour asseoir encore un peu plus l'atelier de forêt dans le paysage de la maintenance des rames TGV, nous avons conclu il y a 3 ans maintenant un contrat avec la SNCF pour l'entretien des rames TGV Réseau. Ce sont des rames tricourants qui appartiennent à la SNCF et qui sont utilisées par la SNCF sur toute une série de lignes à grande vitesse en France avec des destinations telles que Nice ou telles que Marseille. C'est valorisant. N'oublions quand même pas que la SNCF a joué un rôle primordial dans le développement du TGV. Elle a joué un rôle un peu de pionnier dans ce cadre-là. Et se voir confier par la SNCF elle-même l'entretien de rames TGV qui lui appartiennent, c'est quand même quelque part une reconnaissance de notre capacité, c'est une reconnaissance de notre savoir-faire, une reconnaissance, je dirais même, de notre professionnalisme en la matière. Et donc c'est particulièrement valorisant, et pour la SNCB dans son ensemble, et pour le personnel qui est plus particulièrement affecté à l'entretien de ces rames ensuite. We hebben dus ook eerder jonge mensen. Dat maakt dat we een jonge, dynamische mentaliteit hebben in de werkplaats die zeker niet vastgeroest is, die bereid is tot evolutie. En om te eindigen met een kader van jonge ingenieurs die in staat zijn om in een internationale context hun mannetje of vrouwtje staan. En ze doen dat op een perfecte manier. De flexibiliteit is voor ons ook een zeer belangrijke troef. Kunnen reageren met de gewenste reactiviteit is zeer belangrijk. Op een winterpiek heeft het internationaal HST-verkeer veel minder geleden dan het intern verkeer bijvoorbeeld, dankzij die grote reactiviteit. Exploitatieveiligheid, zoals gezegd, is dus ook een zeer belangrijke zaak. Onze mensen zijn dus 1. Gehabiliteerd, 2. Gecertificeerd, 3. Worden ze dus dagelijks opgevolgd in hun competenties op de vloer. Je pense que c'est un défi et un challenge de tous les jours que Alex Van Ingelgom et toute son équipe doivent remplir. Et je pense qu'on peut leur rendre hommage à cet égard.